Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre unité 7, leçon 2. Les adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce que ça veut dire les adjectifs qualificatifs? Indiquent les propriétés d'un nom, décrivent et définissent comment quelqu'un ou quelque chose. Ils accompagnent donc toujours un nom. Leur terminaison varie selon le genre masculin ou féminin et le nombre singulier ou pluriel d'un nom auquel il se rapporte. Bon, les adjectifs, on va prendre le féminin ou le masculin, s'accordent en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Comme par exemple, Félix est un chat blanc, masculin singulier. Par exemple, Alice est une belle fille, est une belle fille, c'est féminin singulier. On va prendre quelques adjectifs masculin et féminin. Bon, sympathique, calme, intelligent, va venir intelligente, marrant, marrante, patient, patiente, courageux, courageuse, sérieux, sérieuse, travailleur, travailleur, travailleuse, généreux, généreuse, sportif, sportive, gentille, 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 mignon, mignonne, gros, grosse. On va faire un exercice. Choisis la bonne réponse. Bon, le soleil est un nom masculin singulier. Bon, les adjectifs va être masculin singulier. C'est très bien chaud. C'est chaud. La neige est froid ou froide. La neige, c'est un nom féminin. Singulier va être froide. Très bien. Numéro 3, Salma. Salma, c'est un nom d'une fille. Salma est beau ou belle? Salma est belle. Numéro 4, la chaussure est sec ou sèche. La chaussure, c'est féminin. Va être sèche. Le chien masculin singulier est bien mouillé. Bravo. Numéro 6. Semi est grand ou grande. Semi, masculin singulier. Bon, va être un adjectif masculin singulier et grand. Et grand, semi et grand. Merci mes élèves et à bientôt.